Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de Lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue l'émission Samedi de Lire. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de ressortir une auteure que j'avais hâte de recevoir, Annie Loisel. Bonjour Annie, comment ça va Bonjour Amélie, ça va très bien, merci. Et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs à l'art de maîtrise en études littéraires, maîtrise en enseignement, tes profs au secondaire à l'éducation aux adultes et maman de cinq enfants. C'est ça Où trouves-tu le temps d'écrire <laughs> Ma grande question. Ben, En fait, je me fais des petites plages d'écriture souvent euh, le matin parce que le soir, euh, je suis beaucoup trop fatiguée. Euh, donc, souvent le matin, avant que tout le monde se lève, je me lève euh, à l'aube et puis euh, je prends une ou deux heures pour écrire, habituellement entre 4 et 6. Et les enfants sont âgés de quel âge à quel âge? Euh, la plus vieille a presque 11 ans, la plus jeune a 3 ans. Donc, ils ont deux ans de différence, tous. Euh, C'est de l'action, fait que les devoirs, euh, ça doit pas chômer à la maison le soir. Ah, ça, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements chez nous, là, c'est sûr. Et en 2003, tu as publié un essai qui s'intitulait Les affamés, un regard sur l'anorexie, qui a été publié aux éditions de l'Homme. Oui. Et c'est comme ça que tu as commencé l'écriture. Euh, ça a été une partie. Euh, ce livre-là est beaucoup plus, euh, beaucoup plus technique, beaucoup plus théorique, euh, mais il y a quand même une petite partie part de littérature dans, dans le livre et puis il euh, ben, y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit après ça tu devrais tu devrais écrire des romans ça a pris plusieurs années avant que que j'écrive euh, vraiment là. ça a pris euh, une dizaine d'années après euh, les affamés pour que je me remette vraiment à l'écriture puis là ben euh, voilà depuis euh, depuis 2013 je publie euh, des romans chez, chez Stanky. est-ce que ça a été dur justement de passer de l'essai au roman euh, c'est dur que ça, ça s'est fait naturellement. J'avais terminé mes études universitaires en littérature, puis euh, ben, c'est peu à peu, je lisais de moins en moins de, 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 de trucs scientifiques euh, par rapport à la littérature. Je m'ouvrais assurément à, à, à une littérature plus, euh, plus populaire, et puis euh, ben, l'écriture est venue tout naturellement comme un besoin, comme un, un exutoire aussi et as publié en 2013, Tout ce que j'aurais voulu te dire, où on parlait de l'amour, mais vraiment sur tous les angles. Euh, oui, il y avait beaucoup dans ce livre-là de, de l'amour idéalisé par rapport aux souvenirs, par rapport à, 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 aux amours perdus qu'on regrette, mais qu'en même temps, euh, des amours qu'on qu idéalise beaucoup, là justement, et puis on se fait une image de ce que c'était, de ce que ça aurait pu être. Euh, donc, c'était un peu la, la trame de, de cette histoire-là, puis de l'amour vu sous différents points de vue aussi. Et par la suite, tu as publié Salira, où on parlait de l'anorexie comme t'en avais parlé dans Les affamés. Oui, oui. Donc, ce roman-là parlait d'anorexie à l'adolescence. Mm -hmm. euh, puis, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, qui est prise avec l'anorexie. Je voulais montrer dans ce livre-là aussi le point de vue des différents intervenants, le point de vue des parents, mm -hmm. pas seulement le, le point de vue de, de la malade. Euh, donc, c'était le personnage que j'avais beaucoup aimé là-dedans c'est l'infirmière justement qui accompagne la jeune fille oui on s'imagine toujours que les, les, les gens du milieu hospitalier vivent seulement en milieu hospitalier puis les malades sont très souvent centrés sur eux-mêmes, c'est normal à cause de la douleur à cause de tout ça mais euh, je voulais montrer que ces gens-là ont une vie ailleurs aussi et puis ont leurs problèmes ailleurs puis ensuite doivent faire un peu le vide pour revenir soigner puis s'intéresser à leurs patients euh, c'est important pour moi de montrer ça et tu as publié aussi Poison et autres douceurs en 2014. Ça, c'était dans la collection rouge. Oui, j'ai ça... Chez Livre-Expression. Alors, c'était de l'érotisme. Euh, oui, c'est ça. C'est un petit roman bonbon. Euh, c'est sûr que euh, j'ai, pas voulu tomber dans le... ben, c'est sûr qu'on, on, on s'entend qu'il y a certains clichés, là, qui, qui, reviennent dans les, dans les romans érotiques. Il y a, il en demeure pas moins que j'avais envie de montrer, euh, un personnage nouveau. Souvent, dans, dans la li littérature érotique, c'est toujours des très jeunes femmes, euh, euh, qui ont à peu près aucune expérience puis tout ça puis euh, ben mon personnage défait un peu ce, ce mythe là parce que c'est une femme qui 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 aborde la quarantaine qui vient de se faire laisser par son mari puis euh, j'avais envie de montrer que ces femmes là aussi peuvent avoir une sexualité peuvent s'épanouir peuvent vivre des choses euh, intéressantes donc... Euh. Est-ce que as hésité longtemps avant de te lancer dans l'écriture d'un texte érotique Ben en fait, on m'avait parlé de ça, on m'avait parlé du projet. Est-ce que embarques, tout ça Puis là, ben j'avais dit, ben je vais essayer, euh, mais en même temps, je me mettais pas beaucoup de pression. Je me disais, ben si, si ça marche pas, euh, tant pis, c'est pas grave. Là, et puis euh, finalement, ça, ça a fonctionné. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, euh, pas juste parce que c'était c'était quand même drôle à, à écrire c'était amusant mais aussi parce que y, a, y avait certains il euh, y avait certains barèmes aussi qui avaient été fixés notamment au point de vue de la longueur notamment au point de vue de, de ben il faut faut quand même qu'il y ait certaines scènes et, et tout ça puis euh, étonnamment ça me rapprochait un peu mes élèves euh, pas au niveau du thème mais au niveau de ces contraintes d'écriture là que vu veux, veux pas en milieu scolaire on impose euh, Écrire un texte euh, il faut qu'il y ait tant de mots euh, pour, ça selon certains critères ministériels. Et, et là, je me disais, bon, euh, ça me fait réfléchir un peu sur ce que, ce que je demande parfois à mes élèves, sur ce qui est correct de demander, pas correct de demander, mais évidemment, le thème n'avait rien à voir avec, euh, avec ce que je peux demander à mes élèves. Là. Mais, mais est-ce que tu avais en tête justement qu'un jour, tes enfants pourraient lire ça? Euh, un peu. <laughs> un peu. Mais euh, de toute façon, je pense pas que les romans que j'écris présentement peuvent être lus... Ben, c'est sûr qu'un enfant pourrait lire, là, mais euh, c'est pas des thèmes qui intéressent les enfants, mm -hmm. euh, assurément pas. Il euh, y a certaines scènes que j'écris qui sont parfois dures, je pense, au niveau émo émotionnel, surtout. Euh, je pense je suis pas certaine que mes enfants en bas âge pourraient comprendre ça puis pourraient euh, bien l'interpréter donc euh, je suis persuadée que quand ils, vont, ils vont avoir euh, 20-25 ans ils vont bien rigoler peut-être en lisant là mais euh, bof c'est pas c'est pas si gênant on est quand même dans une époque où, euh, où où la sexualité est étalée au grand jour la pornographie est accessible mm -hmm. facilement c'est pas non plus un roman pornographique non non non, non. Euh, puis je, je pense que dans ce livre-là, j'ai respecté certaines balises littéraires que je me fixe toujours. Donc, ce n'est pas un truc dont, dont je suis gênée nécessairement. Là. Et tu as publié Papillon en 2014 où on, a, on, on rencontrait quatre femmes, en fait une mère et ses trois filles, des femmes complètement différentes. Oui, donc euh, dans ce livre-là, c'est vraiment une histoire de famille, là, comme une espèce de saga familiale où euh, chaque fille se découvre peu à peu, trouve ses, sa voix euh, s'épanouit euh, différemment à sa manière, euh, et, et vraiment les, les, les enfants de cette femme-là sont, sont très très différentes, ont des ambitions différentes, ont des goûts différents, mais euh, elles se retrouvent un peu tout de même, et puis. Euh, voilà. Et je veux qu'on parle du dernier qui vient toujours de sortir, ton dernier bébé concerto pour petite noyée qui vient toujours de sortir le 26 août dernier. Et c'est un, un ouvrage qui parle d'un enfant qui est disparu, un enfant qui est noyé, en fait. Oui qui est parti prendre une petite marche avec sa maman et euh, finalement, la, la tout-petite disparaît là, en quelques secondes. Oui, euh, bien Dieu sait que ça arrive euh, fréquemment. Trop souvent. Tr trop souvent. Et puis euh, souvent, on, on a tendance à dire, euh, ben c'est les parents qui ont manqué de vigilance. Euh, moi, j'en ai cinq enfants. Heureusement, il n'y a jamais rien arrivé de grave. Mais euh, ça prend quelques secondes échapper à la vue de ses parents. C'est vraiment, vraiment quelques secondes, puis euh, oui, certains parents peuvent manquer de vigilance, mais c'est pas vrai que tous les parents manquent de vigilance, loin de là. Puis souvent, quand ça arrive, des trucs semblables, euh, on a tendance à beaucoup juger, euh, puis veut, veut pas, avec le jugement, vient toute la culpabilité du parent, alors que euh, un accident, ça peut arriver à n'importe qui, vraiment. Euh, dans ce livre-là, il y a la mère... Qui perd son enfant et qui. est enceinte d'un deuxième. Qui est enceinte d'un deuxième, oui. Et qui devient, euh, qui devient complètement folle. Là. On peut dire ça comme ça. Elle, elle fait des choses qu'elle ne qu devrait pas faire. Là. Mm -hmm. Il y a certaines scènes qui sont euh, un peu troublantes. Pas mal. <laughs> et. Euh, donc, On parle de la relation aussi du père, la réaction du père par rapport à la disparition de sa petite fille qui est complètement à l'opposé de la réaction de la mère. Oui, tout à fait. Le, le père réagit quand même beaucoup plus sainement et puis euh, son instinct de protection envers le deuxième enfant euh, devient immense euh, et il veut en quelque sorte protéger cette deuxième fille là de 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 la folie de la mère là qui 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 devient vraiment euh, qui, qui agit d'une manière euh, inconcevable mm -hmm. sous plusieurs points et puis euh, finalement il s'éloigne d'elle totalement et il, il va vivre ailleurs en Italie donc euh, parce que ben, la mère rejette complètement la deuxième oui tout à fait la mère se sent c'est comme si euh, d'une certaine manière c'est comme si elle se disait ben j'ai pas réussi à, 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 à à surveiller mon enfant. Je, je, elle se sent très coupable, elle se sent comme si c'était sa faute, ce qui venait d'arriver. Puis, euh, ben, j'ai pas perdu d'enfant personnellement, mais je, je sais quand même que c'est ce qui arrive la plupart du temps. Et même si on sait que c'est pas notre faute, on culpabilise quand même. Donc, euh, Agnès, elle se sent coupable et elle se sent responsable à 100 de ce qui est arrivé. Et euh, c'est comme si elle se disait, ben, j'ai pas été capable avec la première. Je ne serai pas capable non plus avec la deuxième et je ne vais même pas essayer. Puis elle ne se donne pas cette chance-là d'aimer son deuxième enfant. Elle a tant souffert de la mort de la première qu'elle ne veut pas s'exposer à cette douleur-là pour la deuxième. Donc, c'est un rejet complet. Il y a une comparaison qui s'établit. Elle n'égalera pas l'autre. Donc, je. je je la rejette. Et ça dit dur pour toi, justement, de maman de cinq enfants, d'avoir ça en tête, d'écrire justement la disparition d'un enfant. Ça ne devait pas être évident? Euh, oui et non, parce que, bon, je me mets dans le, le contexte. Bon, si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais? Bon, c'est sûr que là, moi, j'ai tous mes enfants. C'est sûr que je pense pas qu'une réaction comme ça pourrait se produire, mais souvent on, on, on s'imagine justement, ben non, moi je ferais pas ça dans ce, ce contexte-là, alors que vraiment, est-ce qu'on peut savoir comment on réagirait dans un dans un, un, un événement catastrophique aussi puissant que ça euh, Je suis pas certaine qu'on qu puisse euh, établir des comportements d'avance puis tracer des lignes et dire non, moi je ne ferais jamais ça. Euh, je le sais pas. Mmh. Si tu me permets, Annie, on s'arrête et au retour, on continue de parler de ton plus récent ouvrage concerto pour Petite Noyée. Parfait.